Eh bien, bonsoir les amis et bienvenue pour la petite bière de ce 5 décembre. Donc voilà, j'enlève mon petit carton habituel. Alors aujourd'hui, une Homer traditionnelle blonde. Alors voilà, c'est une bière qui vient de la brasserie de Saint-Omer, dans le département du Nord-Pas-de-Calais. Alors personnellement, voilà, je connaissais juste de nom, mais je n'ai jamais bu cette bière-là. Souvent, voilà, c'est une étiquette noire, alors ça peut faire penser à de la brune ou à de l'ambré ou à, voilà, je sais pas, même de la noire, quoi. Et donc c'est pour ça que je n'ai jamais goûté, donc ça va être vraiment l'occasion de la goûter. Alors j'ai vu qu'il en existait en classique blonde 4 degrés, en blonde, bon, en classique aussi 5 degrés. Et alors ici c'est une World Beer Award Gold de 8 degrés, voilà, 33 centilitres bien sûr. Mais voilà, on voit le petit logo ici, si ça fait le point. Et voilà, donc une bière à 8 degrés, voilà, donc la Homer. Donc ben, écoutez, on va se déguster ça tout de suite. Voilà, c'est bien les petites bières qui ne moussent pas ou qu'on n'a pas la mousse qui nous explose dans la figure. Donc allez, versement d'un petit verre de 15 centilitres, hein, comme je vais garder pour ces dégustations. Voilà, comme ça on peut se boire deux verres ou trois verres à son aise, surtout si elle n'est pas bonne. Donc voilà, magnifique bière, voilà, de couleur jaune. Donc voilà, je vous fais un petit plan, voilà, puisque hier je vous l'avais pas mis, je pensais que c'était inutile, mais en fin de compte sur le montage, j'ai vu qu'on voyait même pas les petites bulles. Donc là, vous voyez, elle est vraiment jaune et elle mousse. Voilà, c'est vraiment pétillant chez pétillant. On voit la mousse, on voit les bulles. Donc ben, sur ce, les amis, à votre santé, alors avec la Homer. Ouais, ça sent vraiment la bière blonde, en fait. C'est un peu comme si tu dis dans tes vidéos, mais c'est vrai que toutes les bières, ça sent comme de la bière blonde. Enfin, toi, comme de la blanche, tu dis, mais bon. Alors, elle passe pour une blonde. Donc, une blonde à 8 degrés, comme je vous disais, alors qu'elle existe en 4 et en 5 degrés. Et bah, elle laisse pas d'arrière-goût, elle est vraiment bonne, pas un petit peu comme par exemple la guillotine, voilà, qui est une blonde assez forte mais qui laisse un petit goût. Ici en fait elle passe, je vais pas dire comme de l'eau, mais presque, quoi. Voilà, donc santé les amis, et on se retrouve demain pour la vidéo du 6 décembre. Donc ciao ciao les amis, santé à tous.